Hello. Bonjour. Bonjour, Azedine. Comment tu vas? Bonjour. Là, ce matin, je suis à Munich. Je suis en train de me balader. Et je fais coucou à tout le monde. Voilà. Ah. Ok. Bonjour à mes amis, bonjour à tout le monde. Je vous fais un gros coucou. Là, je suis à Munich ce matin. Et comme j'avais prévu de faire un petit coucou à tout le monde, voilà, je suis en train de me balader. Et je voudrais tout simplement ce matin parler à propos de Mbengo. Voilà, mon cher Mbengo, et à tous ceux qui m'ont demandé de parler de lui à propos de l'actualité camerounaise. Oh, bonjour Eli. Bonjour Fondia Moulou. On va parler de Mbengo tout à l'heure, là, vous voyez. Mbengo, c'est du passé. Regardez, je ne peux pas passer mon temps expressément pour lui. Voilà, je suis dans un jardin, je me balade là, avec mon sac au dos. Mouah, Eli. Bonjour. Voilà, on va parler de Mbengo. Mbengo, tu sais, la vie, c'est quoi? La vie est très simple. La liberté, c'est la vie. Voilà, je ne vais pas trop dépenser mon énergie pour Mbengo. Il fut une fois, j'ai fait une vidéo parlant de Mbengo. J'ai fait un article où je disais, bon voilà, quand Koumatel était décédé. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on est allé chez Mbengo, on a ouvert son parking, il y avait des voitures, il y avait même des ambulances. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a de l'ambulance, une ambulance privée chez lui. Donc j'ai fait mon poste, bon les gens bavardaient, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous dire une chose, un monsieur qui vole des milliards, un monsieur qui, je veux dire, 448 costumes, un seul costume vaut 4000 euros. Un monsieur qui a été trempé dans presque toutes les malversations financières du Cameroun. Un monsieur qui, ma foi, va en prison en amenant sa femme et ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous perdons notre temps pour parler de ce monsieur? Non, tout ce que je vais lui dire, c'est que je lui souhaite bon séjour là où il est. Dites-lui ça, que je lui souhaite un excellent séjour. Je ne me moque pas de lui parce qu'il sert de leçon aux autres. Voilà. Nous avons quitté le Cameroun. Nous avons travaillé dur. Nos parents ont travaillé dur. Et ce monsieur qui aujourd'hui, vraiment, va en prison amenant sa femme et ses enfants. Ouh là là! Je ne me réjouis pas, mais je me dis quand même que dans la vie là, la liberté, c'est le jour où on va. Je veux dire, la liberté, c'est de l'or. Et c'est le jour où on se couche sur son lit et qu'on est en train de partir, qu'on se dit voilà ce que j'ai fait sur cette terre. Donc ça ne vaut absolument pas la peine que je me moque de Mbengo. Non, je ne vais pas me moquer de Mbengo. Je vais juste te dire que, en fait, mieux vaut souffrir, mieux vaut travailler et, et laisser quelque chose de, comment je veux dire, de bonheur, j'ai ça dit, la liberté même à sa femme après sa mort. La liberté. Mais regardez là, je suis dans un jardin là, je suis en train de me balader à Munich là. Hein? Regardez, je me balade, je n'ai pas d'argent peut-être, je ne peux pas donner tout au monde, mais j'ai ma liberté, j'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Et c'est ça. Tandis que je ne peux pas, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que la liberté. Ce que c'est que la liberté, ça c'est l'essentiel. Vraiment, c'est énervant.
dans un pays comme le Cameroun, un pays où vraiment nous avons travaillé, moi à 6 ans, tu veux dire à 6 mois déjà, on m'attachait au dos pour aller au travail, qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'un Mbengo qui a tout eu, ah mon Dieu, Mbengo qui a tout eu, il a envoyé ses enfants avec l'argent de mon père. Mon père était un handicapé, mais il travaillait, payait les impôts. Ma mère était une paysanne, elle travaillait et elle payait les impôts. Moi-même, je travaillais, je payais les impôts. Hé, mais Bengo, toi, tu as tout pris. Des milliards, tu as encaissé. Des milliards. Tu as pris des milliards aux pauvres Camerounais. Je dis bien aux pauvres Africains. Tu les as laissés où? On me dit que tu as voulu te suicider. Non, tu ne vas pas te suicider. Ah non, 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 non. Tu ne vas pas te suicider. Moi, je veux même qu'on te donne, si quelqu'un pouvait piler le bon tarot et te donner pour te solidifier, que la personne fasse ça. Un Cameroun où tous les ministres, nous avons plus de 45 ministres, mais en prison? Non. Que je commence à parler doucement maintenant. Que je commence à parler doucement parce que c'est la honte. C'est une honte. Je ne peux même pas me moquer d'eux. Mais je ne peux même pas me moquer de, je ne peux même pas rire. Je vais vous dire ceci. Regardez le soleil, regardez là. Je suis là, dans un petit jardin là, tout proche de ma maison. Regardez, je circule là. Mais même que cette terre, tu n'as plus. Tu n'as plus. Que ça serve de leçon à n'importe qui. Vous savez, parce qu'après tout, il y a un... Moi, je crois, hein, j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Ma mère est décédée parce que, à l'époque, j'étais une élève qui travaillait pour toute ma famille. J'ai enterré mon grand-père dans ce pays-là, avec des oncles qui étaient très, très riches. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? RDPC, RDPC. Vous croyez que, quand moi je parle de Biya, je sais pourquoi j'ai toujours dit que il n'est pas le seul. Je vais vous dire une chose. Pour connaître mieux le Camerounais, il faut avoir grandi dans une famille comme la mienne. Il faut avoir grandi dans un quartier comme le mien. Hein? Vous vous cachez derrière le RDPC pour foutre ce pays dans la merde. Et je vous dis très bien, vous allez payer. Pas parce que nous voulons que vous payiez, parce que Dieu veut ça. Parce que les êtres humains, ils veulent ça. Vous comprenez? Moi, je préfère que quelqu'un qui... peut-être à voler à cet moment donné, dit non, je m'arrête ici et je fais un peu de bien au peuple. Je m'arrête ici et je dis ça suffit comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que vous faites? Moi, je n'ai pas besoin de vue. Non, je n'ai même pas besoin. Qu'est-ce que je vais voir? J'ai besoin de l'air. J'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de mon honneur. J'ai besoin de ma dignité. J'ai besoin... d'être libre, je veux dire libre, qu'on ne me doive pas quand je parle. Que si quelqu'un sache que j'ai volé, que la personne me dise, non, je n'ai pas volé. Je n'ai fait que mon travail. Voilà, je n'ai fait que mon travail. Et je l'ai tellement bien fait que quand je parle, je ne regrette rien. C'est-à-dire que je suis libre de me placer même devant l'Union européenne aujourd'hui et de parler et de pointer. Et mais vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce n'est pas une honte ça, que dans une république, toute personne qui ose parler, on le pointe de doigt. Toute personne qui peut dire quelque chose, on l'arrête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Une personne, hein, Koumati, qu'elle est décédée, on l'a opérée. Nous avons vu sa sœur se battre, ouvrir son, je veux dire, son ventre devant l'hôpital, juste pour tenter de sauver les jumeaux. Quand Mbengo avait l'ambulance chez lui, on a vu à Ezeka avec les morts d'Ezeka, j'ai une vidéo sur YouTube. Chacun peut écouter cette vidéo. Où Mbengo accuse la France, pointe du doigt Bolloré, sans même toutefois réfléchir. Alors que chez lui, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Et nous avons vu la crise anglophone. On va beau dire que peut-être on a refusé le fédéralisme, mais avec des gens comme ça, comment on pouvait même accepter ce fédéralisme? Parce que c'est des gens qui étaient prêts à tout instant. Aujourd'hui, tout le monde voit. Ce n'est pas facile de diriger un pays. Je vais vous dire ça, surtout les Camerounais. Nous sommes des méchants. Nous sommes des sadiques. Je le dis ça.
Parce que si je dois reprendre, comme je l'ai dit dès le début, revenir dans ma propre famille, revenir dans mon propre arrondissement, et voir ce que les autres font au nom du RDPC. Vous voulez qu'on conquis? Non, je ne jetterai pas la pierre sur quelqu'un. Pas sur quelqu'un. Je ne peux pas prendre une pierre. Même si je vois on est en train de battre les gens, je ne le ferai pas parce que je sais que nous, les Camerounais, nous sommes difficiles. Nous, les Camerounais, la plupart des gens des Camerounais, ils peuvent mettre le feu là-bas. Quand ça brûle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme s'ils n'étaient même pas là. Hein? C'est comme ça. Ça dit que vous allez voir aujourd'hui tout ce qui était derrière Kamto. Combien de personnes parlent encore de Kamto? Regardez un peu les intellectuels. Regardez le comportement même des activistes. Parce que je ne suis pas combattante. Regardez comment ils se comportent. Hein? Là, nous sommes en direct. Là, je suis en direct. Regardez le comportement de tous ceux qui ont dit Kamto, Kamto, notre président, Kamto, notre président. Ils font pam, ils sont chez Biya. Ils font pam, ils sont chez Kamto. Ils font pam. Quand Biya va décéder un jour, je ne le souhaite pas, c'est le passage de tout le monde. Vous verrez de vos yeux ceux qui sont là derrière lui. Ils vont tous se taire. C'est comme ça le Camerounais. Et c'est pour ça que moi je parle toujours du discernement parce que je connais, même si j'ai une personne, je vais parler. Je sais ce que c'est. Changez vos mentalités. Essayez d'aimer des gens, pas pour de l'argent. Aimez les gens, construisez un pays. Vous savez, parce qu'à la fin, comme on dit en anglais, at the end of the day, Tontina et Santina, ou Tontina et Sardina, nous sommes dans le même bateau. Et c'est ce que je répète et je vais toujours répéter. Hein, Mbengo, te voilà aujourd'hui. Hein? Tous ceux à qui tu as donné des millions, là, ils sont où? Hein? Ils sont où? Tous ceux que tu as volés, tu as placé, des gens que tu as mis un à un. Voilà, ils t'ont déjà oublié. Et c'est comme ça, le Camerounais. C'est exactement comme ça. Il faut donner, tu vas donner. Tu donnes le jour où tu ne donnes plus, personne ne pense plus à toi. Hein? La gentille là est terminée, c'est foutu. Et c'est comme ça, même jusqu'aux propres enfants, c'est ce qu'ils font. L'argent chez nous, l'argent, le privilège, le favoritisme, c'est ça le Camerounais. Et tant que nous n'avons pas changé ce comportement, même après Biya, rien ne va changer. Le changement, ce n'est pas un groupe d'individus. Le changement, ce n'est pas les voix, ce n'est pas les likes. Le changement, ce n'est pas parce que telle personne a ceci. Voilà, Mbengo, il avait tout. Mais il est où aujourd'hui? Il est où? C'est ça la vie. Tant que nous n'avons pas compris que changer, ça signifie aimer. Ça signifie faire avancer quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Je veux dire avancer, aider quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois un enfant devant toi, qu'il soit blanc ou noir, ne le bloque pas. Il ne faut pas le bloquer. Laisse-le aller parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Tu ne peux pas amasser, mettre dans ton matelas, amasser l'argent des gens. L'argent, le fruit du peuple. Vous savez comment on va au champ? Vous savez comment on tient une houe? Vous savez comment, à quelle heure les gens se lèvent au Cameroun? Les femmes, les Bayam Salam, vous savez ce qu'elles font pour pouvoir cultiver les cotons au nord? Vous savez ce que les femmes... Ah non, vous ne connaissez pas. Avoir des sacs, c'est très beau. Moi, j'aime aussi le luxe. Et le luxe, là, quand je m'assois, je me dis, j'ai payé avec mon propre argent, c'est-à-dire l'argent de mes sueurs, de ma sueur. Je ne peux pas voler pour donner à mon fils, je ne peux pas voler pour donner à mon enfant. Parce qu'à la fin de la soirée, hein, c'est ce qu'on nous apprend dans des grands pays comme l'Allemagne, c'est ce qu'on nous apprend dans les grands pays comme la France, c'est-à-dire un pays où chacun essaye de travailler et de manger à la sueur de son front. Vous venez en Europe, vous venez ici, Vous partez du Cameroun avec l'argent volé, je le dis. Parce que si nous prenons 100 Camerounais qui ont étudié en Allemagne, au moins 80 sont arrivés ici, là, dans des études, avec l'argent de la sueur des autres. Ça, c'est clair. Je le dis. Et je suis prête à le redire. Vous venez avec l'argent des gens, rentrez dans des universités en Occident. Vous apprenez correctement. Vous venez, vous sortez quand vous êtes malade, là. Vous venez ici. On vous cajole. Oh, comment vous allez? Est-ce que c'est bien? L'éthique est là. Tout est là. Maintenant, dès que vous finissez, en prenant le vol, dès que vous entrez dans Air France, vous oubliez tout ce que vous avez appris ici en Europe, aux États-Unis, en Russie. Vous partez maintenant. Je vais vous raconter une histoire.
Il y a quelques années, j'arrive au Cameroun, je vais à l'hôpital avec ma petite nièce. Nous sommes arrivés là-bas, elle était malade. Il y avait un rang, tout le monde, et déjà tout le monde parlait la même langue. Je veux dire la même langue. Je suis allée à l'éducation nationale, c'était pareil. La même langue. Nous sommes arrivés dans cet hôpital, il y avait une petite fille couchée sur le banc. Elle était tellement malade, sa maman me dit, ça fait 5 jours que je n'arrive pas à rentrer. Parce que le docteur, il y a une autre porte par derrière. Nous sommes restés là-bas, à un moment donné, je ne pouvais plus parce que je suis comme ça. Ça, c'est ma nature. Je suis allée voir le docteur, j'ai dit, mais il y a une petite fille qui est couchée là. Elle me dit, elle sort de mon bureau. Hey, si tu ne sors pas, je lui dis, mais pourquoi je vais sortir de ton bureau? Je suis en train de te dire qu'elle est malade, elle souffre, elle est en train d'agoniser. Cet enfant est en train d'agoniser, elle a besoin de soins. Elle me dit, ici ce n'est pas comme ça. Je lui dis, mais pourquoi ce n'est pas ici? Je prends son nom, je lui dis, mais écoute, tu sors d'une école en France. Tu ne peux pas voir un enfant. On me dit que non, c'est parce que si on ne choco pas, elle me dit, il y a le choco, tu n'as pas vu le portier. Je dis, quoi? Ça, j'ai fait un boucan. Si bien qu'on est venu, on a soigné cet enfant. Sinon, l'enfant décédait. Il y a un enfant qui est mort aussi comme ça, toujours devant nous, parce qu'on ne pouvait pas la soigner. Et comme ça n'allait pas, je vais vous raconter une histoire. Quand vous parlez des grands dans ce monde, il y a un juriste qui s'appelle Akeremuna. J'arrive au Cameroun, je vais faire ce qu'on appelle un certificat d'adoption. Quelqu'un m'a pris presque 300 000, il ne voulait pas faire ça. Après, ils m'ont tourné. Je suis allée voir le président du tribunal, ils ont dit de remettre l'argent. On a remetté les 200 000, un est parti. Je me suis renseignée, je vais revenir vous dire pourquoi je l'ai fait. Ce n'est pas parce que je n'avais pas d'argent. Non, j'avais des sous, je pouvais bien donner. Je dis bien que je suis allée, il travaillait avec Akeremuna. Notre grand, je suis allée dans son bureau, il ne se rappelle même pas. Je suis allée dans son bureau, je lui ai dit qu'il y a un de vos gars qui a pris mon argent. Il a fait venir le gars, il a dit remets l'argent. Il ne se rappelle même plus. Pour vous dire que dans ce pays, il y a des gens qui travaillent sans savoir même de qui il sait et qui travaillent. Et ça a été toujours comme ça. Je reviens maintenant pour vous dire que c'est à chacun de se battre contre la corruption. Parce qu'à un moment donné, dès que tu commences à corrompre, ça veut dire que tu participes. Tu participes, ça dit qu'il faut se battre. Au lieu de donner l'argent, paie quelques minutes, va rencontrer les grands gens là-bas. Tu leur dis, voilà, il y a telle personne qui est en train de récupérer mon argent, on va te laisser. Ça, c'est juste pour revenir vous dire que, en fait, c'est ça. Vous comprenez? En fait, c'est ça parce que je peux passer toute une journée ici. J'en ai plein d'exemples, Je sais de quoi je parle, mais je veux vous dire une chose. Nous, les Camerounais, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas je ne sais pas quoi qui va changer le Cameroun. Ce n'est pas l'Union européenne qui viendra là-bas changer le Cameroun, mais c'est vous. Donc prenez l'exemple, vous allez me dire, mais Bengo, ou bien qui a volé, machin, mais il est là, la vérité est là. Parce qu'il pouvait aussi ne pas être puni. Donc c'est pour vous dire en fait que ceux qui pensent qu'ils ont le monopole au Cameroun, ils n'en ont pas. Parce que nous pouvons tous parler. Chacun peut se mettre ici et parler du matin jusqu'au soir. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, rappelez-vous toujours que ce n'est pas tout le monde qui a profité du Cameroun et ce n'est pas tout le monde qui doit laisser tomber. Parce que quelqu'un comme moi, quand j'ai à dire, je vais toujours le dire. Donc ne profitez plus du RDPC pour chier dans le torrent. Ne profitez pas parce qu'on a pris Kamto. Vous croyez que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y aura d'autres Kamto qui vont naître. C'est pour ça que je vous demande de vous asseoir et de régler le problème. Parce que moi, je ne vais jamais jeter un caillou sur Paul Biya et je ne vais jamais jeter un caillou sur Kamto. Écoutez très bien. Hein? Je ne vais jamais jeter un caillou sur Paul Biya et je ne vais jamais jeter un caillou sur Kamto. Ça, c'est ma propre expérience. Parce que je ne fais pas ce que les gens me demandent de faire. Je fais ce que je veux faire parce que je réfléchis. Je pars sur ma naissance, sur le mode de vie que j'ai eu, sur ce que j'ai fait et sur ce que je continue à faire. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé d'écrire mon livre Tim Chal. Un livre qui raconte ma vie, mes souffrances, mes peines et comment j'ai fait pour réussir. C'est pas quelqu'un, je n'ai pas attendu qu'il y ait des élections pour le faire. Je l'ai fait en 2012 déjà. Ça veut dire que quelque part, je n'étais pas la seule parce qu'il y a déjà des gens qui pensaient comme ça déjà avant, même s'ils ne l'ont pas mis sur le papier. Donc ne croyez pas que changer le Cameroun veut dire les gens veulent rentrer à étudier. Ne croyez pas que
faire du bien aux Camerounais, ça veut dire qu'on a envie de quelque chose, on a envie de se faire connaître. Non, on a, c'est pas ça. C'est parce qu'on a l'amour pour ce pays. Vous comprenez? C'est parce qu'on a l'amour pour ce pays. Donc ne croyez pas que en tirant sur Paul, et c'est vrai, le Cameroun, tout est gâté. Tout est gâté, ça c'est clair. Tout le monde voit que ça ne marche pas. Tout le monde voit. Mais ne me demandez pas de tirer sur lui. Parce que j'ai mes raisons pour ça, de ne pas tirer sur lui. J'ai mes raisons de ne pas tirer sur Kamto. J'ai mes raisons de chercher à ce que les gens puissent s'asseoir, discuter, trouver des solutions et amener ce pays vers l'avant. Voilà ce que je pense. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez, vous savez où est mon inbox. Donc, écrivez-moi un inbox et dites-moi pourquoi est-ce que ça ne vous a pas plu. Sinon, je continue mon petit chemin en respirant de l'air pur, comme ça se doit aussi au Cameroun. Et je souhaite que tous les Camerounais puissent respirer cet air pur. Voilà, le vent souffle, ça c'est clair. Ça c'est clair, le vent souffle, voilà. Donc, moi j'en ai terminé avec mon live, mon premier live de ce matin, parlant de Membengo et Allah un peu ça et là, voilà. Le soleil brille. Et je dédie ce soleil à l'avenir du Cameroun. Voilà, c'était Juliette depuis Munich. Coucou, bonne journée.